Bonjour, bienvenue dans ce bistrot du DP. Et oui, c'est de retour. Vous l'attendiez avec impatience. Et oui, c'est de retour. Donc, on va filmer entre les vidéos ici sur mon bureau DP. Du coup, vous allez voir dans ce bistrot de magnifiques personnes qui se sont prêtées au jeu, qui m'ont envoyé leurs vidéos. Merci énormément à vous, car sans vous, bah, il n'y aurait pas de bistrot. Donc le principe, c'est simple, je le répète pour ceux qui n'ont pas encore compris ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne. D'ailleurs, entre guillemets, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, c'est toujours avec grand plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes contenus qui sont maintenant un peu diverses. Voilà. Donc, et toujours en fin de bistrot, on va dire, je laisse toujours le meilleur à la fin, malgré que chaque vidéo est toujours au top, mais on laisse toujours un artisan à la fin s'exprimer. Et bon, vous l'avez déjà vu, même je suis sûr que vous vous doutez de qui c'est, mais je ne peux pas passer à côté de cette personne qui est simplement, on va y revenir, bref. Donc, pareil, petite parenthèse, je suis sur une toile au ralois, donc vous l'avez déjà vu dans mon vlog, vous l'avez déjà vu en présentation. Donc, petit rappel pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, je vais vous montrer ça, c'est avec les deux perroquets et autour d'un paysage, elle est simplement magnifique. Donc c'est une 67 par 50 et je l'ai commencé le jeudi 9 mars. Voilà. Et là, tout doucement, j'arrive à plus de la moitié. Donc c'est bien, ça avance très vite, hein. Elle n'est pas très grande. Vous savez que je suis habitué à faire plus grand. Voilà. Donc revenons un peu à ce bistrot. Donc, diversité. Pourquoi diversité? Parce que je souhaite, dans un futur, montrer tous les loisirs créatifs que les gens font. Et s'ils veulent bien me montrer autre chose un peu que du DP, eh ben, je dis oui. Alors que vous fassiez du crochet, que vous fassiez du point de croix, du point de croix estampé, du coloriage, de la peinture, d'autres passions, hein, de la maquette, comme moi, voilà. Et bien sûr, le DP qui est toujours bienvenu dans le bistrot, mais c'est pour montrer la diversité et peut-être, je dis bien peut-être, vous dire « Ah mais ouais, ça me donnerait aussi envie de tester ça ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en plus d'avoir des personnes qui viennent filmer dans le bistrot, bah, qui viennent m'envoyer leurs vidéos, de mettre une voix sur un prénom ou un pseudo, et ben montrer leur loisir créatif, comme ça vous dites « Ah ben oui, punaise, c'est le rendu est bien, ça me plairait de le faire ». Voilà. Donc ça peut être fortement intéressant pour tout le monde, y compris pour moi, hein. Coloriage, j'aimerais bien apprendre, ça je vous l'ai dit hein, déjà. J'ai essayé, on voit trop mes traits et je trouve ça le rendu pas beau. J'ai vu des personnes qui comme Isa, vous verrez, Ch'tizaz, elle fait des coloriages, mais de dingue, elle fait de la peinture, enfin bref, elle touche un peu à tout, au point de croix estampé. Franchement, j'adore cette personne. Non seulement, et ben,
Quand on fait nos visios, Isa, tu sais que je t'apprécie énormément. Je te l'ai déjà dit, tu es une très belle personne. Ta chaîne, j'adore la regarder, tes vidéos. Je trouve que tu es une femme extrêmement douce. Voilà, tu es posée. On voit que tu es une belle personnalité. Voilà, c'était le petit aparté. Voilà. Malgré que j'aime tout le monde, hein, mais j'ai plus d'infinité forcément avec Isa parce que des fois on s'appelle en visio et on papote le temps d'eux, mais elle a un emploi du temps ultra chargé, elle a de grandes responsabilités, donc forcément c'est pas toujours évident. Et puis elle a les enfants aussi, voilà, sa vie privée, voilà, bref. Mananou, que j'adore plus que tout, n'a pas eu le temps parce qu'elle est pas mal occupée ces derniers temps. Vous inquiétez pas, elle reviendra dans le prochain bistrot. Hein. On le sait, notre nanou, voilà, avec une joie et tout, le sourire et tout. Voilà, c'est une période un peu compliquée pour elle, mais on est là avec elle, on la soutient, tu le sais, Manat. Je t'embrasse très fort et on t'adore plus que tout. Voilà, et même les abonnés te surkiffent, donc voilà. Ne lâche rien, on est là. Ok, et je sais que donc j'avais mis un peu mes vidéos de côté, hein, voire quasiment complètement, parce que j'ai eu aussi une période très compliquée. Et là, je reviens à fond plus que jamais, plus que motivé, voilà. Du coup, je le répète, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en privé. J'ai écouté leurs vocaux, j'ai lu leurs messages, et je peux vous dire que j'ai eu un haut le cœur. Franchement, j'ai dit je ne peux pas, je ne peux pas, je ne dois pas arrêter. Je dois persévérer, je dois reprendre, parce que derrière, il y a des personnes qui aiment m'écouter, qui aiment mes contenus, et c'est tout simplement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je reviens, oui, pour vous, parce que je sais que vous le méritez. Et que, voilà. Et à quelque part, ça me remotive, plus que jamais. Donc, merci encore une fois, énormément. Voilà. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par quelques personnes. Et puis après, j'ai une mise au point, mais rien d'agressif, rien de méchant. C'est une petite mise au point vue avec une certaine personne. Je vous dirai tout en détail. Restez bien jusqu'à la fin. Allez, à tout de suite. Petite vidéo des vignes avec un beau ciel bleu. On est plutôt bien. Petits oiseaux commencent à entendre. Donc voilà. En gros, ça, c'est un pied qui n'est pas taillé. Bon, c'est une vieille vigne, hein, donc grosse charpente, grosse souche, etc. Voilà, donc il y a plein de bois partout. Et puis, une fois qu'on est passé, eh bien, c'est tout propre. Il n'y a plus grand-chose, hein. Il n'y a plus grand-chose, mais on est bien. Coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, moi, c'est Marie. J'ai 47 ans et je fais du DP depuis un an, on va dire. Là, je suis sur une très grande toile qui me donne du fil à retordre, étant donné qu'elle sait beaucoup, 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 beaucoup de confetti. Là, c'est mon petit bureau que je me suis adapté. Donc, sur cette toile, comme c'est pas la réelle DAC, je me suis fait avoir quand je l'ai achetée, je savais pas. Donc, je la fais quand même, hein, mais donc j'ai fait quelques petits changements de diamants suivant les DMC. Donc, ça, j'ai changé ça en aurore boréale. J'ai changé aussi celui-ci, l'orange, encore un rose et j'ai des jaunes aussi. Voilà, des jaunes.
pour essayer de la, comment? Essayer de la mettre un peu en lumière. Là, on voit qu'il y a quand même des violets en AB. Sinon, c'est tout, rien de spécial. Je suis Team Nanou et Steph, hein, Jackie et Petite Zaz. C'est des personnes que j'aime beaucoup. Et puis, bah, comme Steph m'a demandé de faire une petite vidéo sur ce que je faisais actuellement, et eh bien voilà, vous savez tout. Ce rangement est super sympa, j'avoue, mais effectivement, il a pris cher. Sur AliExpress, je voulais en racheter, je me suis ravisée. J'ai trouvé ça super cher. Déjà, quand je les ai achetés l'été dernier pour faire cette toile, justement, je me suis dit, bon, c'est déjà pas assez, ça, assez cher, mais bon, on verra. Mais là, ils ont encore pris pas mal d'euros. Bon, bah écoutez, je vous fais un bisou à tout le monde et puis bon dépêche. Bonjour à tous, moi c'est Nathalie, j'ai 54 ans, je vis en Suisse et en ce moment je travaille sur l'événement Wayounette. J'adore cette toile, facile à faire, donc j'ai jusqu'au 31 mars. J'ai pris un petit peu de retard parce que je me suis fait opérer des cervicales, mais je pense que je l'aurai fini à temps. J'adore ces couleurs, j'adore ce dégradé, j'aime beaucoup. Et là, je travaillais sur ma toile en regardant ou 7 à 8 ou en regardant une vidéo de Stéphane. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, je me présente, c'est Marie. Comme vous l'entendez, je suis belge. Je fais du DP depuis novembre 2021, donc ça va faire plus ou moins un an et demi que je fais du DP. Je fais actuellement pour un événement la toile Totem Panda de l'artiste Vaillounette. Je participerai bien évidemment à la toile de l'événement Oraloa qu'organise Steph et Nanou au mois d'avril. Je remercie Stéphane ainsi que tout le groupe de DP Passion pour la gentillesse et l'entraide qu'on peut y trouver et qu'ils apportent, que ce soit Nanou, Zaz, Julie, Jackie, Tania, Astrid, Marie, une autre Marie, Nico, le sanglier, Stéphanie, Pascal, et bien évidemment ben Steph, hein, sinon je ne serais pas ici en train de faire la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ainsi que de très bons moments de DP. Bientôt! Salut le bistrot, salut Steph, ça y est, bah, je me décide. J'ai fait une petite vidéo. Donc, moi c'est Audrey, j'ai bientôt 46 ans, j'ai découvert le DP il y a un an et demi à peu près. C'est grâce à une copine en fait. On faisait des courses chez Action et elle a décidé d'acheter une toile et elle m'a montré ça. Enfin, voilà, c'était une découverte pour elle aussi. Sauf que chez moi, c'est devenu une passion. Et je suis rentrée chez moi et j'ai commandé chez Amazon direct pour avoir une toile tout de suite maintenant pour la commencer. Et c'était vraiment, c'était voilà, une super super découverte parce que j'ai une personne handicapée, j'ai une fibromyalgie. Et la particularité de la fibromyalgie, c'est que bah, on a un peu des crises de douleur et que bah, là j'en étais arrivée à un stade de ma maladie où je pouvais plus vraiment bouger, je pouvais plus sortir de chez moi, je pouvais presque plus sortir de mon lit, je végétais, j'avais mal et j'en pouvais plus. Et le DP, bah, ça m'a un peu sauvé la vie parce que je me suis installée et je me suis même fabriqué des trucs pour pouvoir être bien bien installée. Et j'ai fait du DP, du DP, du DP, du DP, du matin au soir, en faisant des petites pauses. Je me suis acheté des petites toiles et des petits objets à diamanter pour pouvoir faire des pauses dans mon lit, mais continuer à faire du DP. Et puis, bah, la communauté YouTube,
c'est super sympa parce que ça montre du DP, mais ça montre aussi d'autres choses. Et je me suis mise au point de croix et à la peinture par numéro et au point noué. Et du coup, je déborde d'activité. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose, j'alterne. Souvent le matin, ben, je fais ça. Voilà, je fais une grande toile. Donc, celle-là, c'est pas trop grande, elle doit faire 55 par 55 pour un défi. J'en ai chez moi qui font un mètre. J'y vais y passer des années. Parce que là, voilà, je suis en vacances. Et j'en ai profité pour visiter l'atelier de Serge Restory. Et du coup, il m'a fait un super stylet qui m'a en plus généreusement offert. Donc, je suis remplie de joie et de reconnaissance. Voilà, je me déplace plus en MDP partout où je vais en vacances, même si je pars juste un week-end, je prends toujours un petit truc à diamanter ou un objet ou je sais pas quoi. Et à cause des youtubeuses, de Sarah, de Céline, d'autres, d'Adèle aussi, voilà, je me suis mise au point de croix. Et c'est pareil, j'ai acheté des grandes toiles, j'ai acheté des toutes petites toiles, j'ai acheté du 11 CT, du 14, puis maintenant je suis passée au point compté, mon 18 CT. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus difficile. L'estamper en 11 CT, c'est relativement simple, ça prend du temps, c'est un truc super long. Hein. Les premières toiles que j'ai commandées, elles étaient immenses, parce que je pensais que ça allait aller aussi vite que du DP. Mais en fait, la même taille, on en a pour 6 mois de plus. Donc c'est rigolo. Et puis voilà, je fais ma peinture par numéro et je suis super contente, parce que je suis super nulle en activité manuelle. Enfin si, je suis super douée, hein. Je fais des bonhommes patates absolument merveilleux. Mais sortie de là, je suis pas foutue de faire autre chose. Donc, la peinture par numéro, c'est génial. Je peux faire des œuvres d'art magnifiques. Je fais aussi donc le point noué. C'est pareil, je me suis lancée dans un projet qui va me prendre des années. Parce que j'ai décidé de me faire un tapis. Sauf que mon tapis, il fait 1m50 sur 50 cm. Et que c'est immense. C'est immense. Il y en a pour des heures et des heures. C'est génial parce que je suis sortie de ma déprime en fait grâce à ça. Je satisfais un côté de ma personnalité de manière extrêmement forte parce que je suis une personne autiste et aligner des trucs, les faire se toucher, se coller, ranger et en faire quelque chose de beau. C'est quelque chose de c'est magique pour moi, j'adore ça. Donc voilà un peu tout ce que je fais, voilà. Et puis en plus de ça, j'ai deux enfants qui sont ravis que je fasse du DP parce qu'ils décorent leur chambre avec ça. Alors c'est deux ados, hein. j'ai un grand de 19 ans qui est complètement fan de licornes, donc je lui fais des toiles avec des licornes dessus et il est ravi. Et j'ai un petit qui est passionné aussi, enfin un petit de 16 ans, qui est passionné par les animaux. Donc voilà, j'ai fait des toiles avec des animaux et de toutes les couleurs et il est super content. Et puis j'en profite aussi pour faire des cadeaux un peu à tout mon entourage. Je suis suivie par beaucoup de gens d'un point de vue médical. Et je pense que les trois quarts maintenant doivent avoir... des porte-clés, des petites toiles, des petits objets, parce qu'ils s'occupent bien de moi, donc je vais les remercier. Donc, voilà, tout ça c'est grâce au monde du DP. J'ai rencontré plein de gens, je discute avec certaines personnes, et c'est l'éclate. C'est bienveillant, c'est chouette, et moi ça m'occupe vraiment, vraiment bien. Coucou tout le monde! Et oui, c'est la Ch'tizaz. Je suis heureuse de vous retrouver dans le bistrot de notre ami Steph. Et non, vous ne rêvez pas, je ne suis pas sur un DP, mais je suis sur un colo. Et ouais, en fait, si vous me suivez, vous le savez, hein, y a des petits craquages colo en ce moment. Et écoutez, puisque ce bistrot
nous permet de vous montrer autre chose que du DP, bah, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que je faisais. Et donc là, j'étais sur un petit colo, assez printanier, j'ai envie de dire. Le beau temps revient tout doucement, le printemps va commencer à s'installer et Pâques arrive, hein, parce que bah, voilà, on est déjà arrivé à la mi-mars. Et donc, bah voilà, ce petit colo rassemblait un petit peu tout, le printemps, Pâques. Donc, je sais pas, j'ai eu envie de faire celui-ci. Et quand Steph nous a fait le plaisir de revenir et de nous expliquer un petit peu le nouveau concept du bistrot, et ben j'étais contente parce que finalement, voilà, au moins ça va permettre de découvrir plein, 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 plein d'autres univers. Et c'est cool, c'est cool, c'est toujours dans le partage. Et c'est. Ben je connais Steph, hein, maintenant on le connaît bien et on sait que c'est vraiment ce qu'il souhaite, le partage. Et j'ai envie de vous dire, moi aussi. Donc voilà, c'est pas de l'art, hein, attention, mais le but c'est de s'éclater. Et moi je m'éclate quand je fais mes petits colos. Voilà, donc que dire de plus? Je fais des colos au crayon avec des crayons de couleur, avec de l'aquarelle, avec. Voilà, des petits tampons encriers comme ça. Franchement, le but du colo pour moi, c'est pas de faire des chefs-d'œuvre. Enfin, des chefs-d'œuvre pour moi. Mais surtout de m'évader, comme d'hab. Voilà. Comme avec le DP, avec le point de croix, la broderie, etc. Donc oui, si vous me suivez, vous savez que je fais un peu de tout, je fais un peu de tout, mais j'ai pas assez de temps pour pouvoir tout faire en même temps. Là, j'ai envie de vous dire que je suis sur un DP qui me prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et comment vous dire que eh ben, le colo, ça me permet de couper de ce fameux DP. Donc là, vous voyez, j'étais avec de l'aquarelle. Donc là, je vais hop, juste refaire quelques petites nuances là sur ma terre là, hein. Je suis en train de faire un peu de terre, mais c'est de la terre qui brille un peu. Voilà, donc je vais foncer un petit peu et puis c'est cool l'aquarelle, franchement c'est cool. Ce que j'aime chez l'aquarelle, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait et ça c'est cool. Hop. Donc voilà, donc le colo, ça me coupe pas mal. Comme j'ai pas envie forcément de ben, d'entamer une nouvelle toile, et ben voilà, je fais du colo. Étant donné que nous allons bientôt entamer une nouvelle toile au 1er avril, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ben voilà, en attendant, vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc, que dire de plus? À part, ben, n'hésitez pas à me rejoindre, comme d'hab. Ma chaîne est ouverte à tous. On parle de tout et de rien. On découvre des choses. Des choses et d'autres. Enfin, plein de choses. Enfin, voilà. C'est une chaîne aussi de partage. Et même vous, hein, si vous avez des choses à échanger, à me dire, à me faire découvrir, je suis preneuse, que ce soit bah, sur le DP, le colo, la broderie, la peinture par numéro, vraiment, vraiment, je suis ouverte à tout échange en rapport avec ces loisirs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous me retrouverez du coup sur YouTube sous le nom de La Ch'tite Zaz et ses thérapies colorées. Colorées, parce que voilà. C'est une chaîne haute en couleurs. Voilà, je vous laisse là avec ces doux mots de la fin. En tout cas, merci à toi, Steph, de m'avoir invité dans ce bistrot. C'est toujours un réel plaisir. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Ah. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tania. J'ai 54 ans, 57 ans, pardon, je me rajeunis en plus.
J'ai une passion, le diamond painting. Ça me détend, ça me relaxe. Je suis tombée dedans en 2018, 2008, je ne sais plus. Après avoir regardé une vidéo, ma fille m'a offert mes premiers diamond painting et depuis, je suis accro. Je suis sur une toile Oraloa que j'ai rachetée à une amie. Première fois pour moi en pose de diamant carré. Ça va. C'est plus dur que le rond, c'est plus méticuleux. Mais j'aime bien. Sinon, quoi dire? Pas grand chose. Je fais en parallèle une toile pour un fil rouge. Une toile Action. En carré aussi, parce qu'Action a sorti les diamants carrés. C'est super. Voilà quoi, pas grand chose à dire. Je pose à la pince parce que c'est des carrés, j'arrive pas à les poser au stylet. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui les posent au stylet, mais moi j'y arrive pas, je les pose pas droit. Déjà là, ma pose, c'est pas terrible, terrible, mais pour une première en carré, je trouve que ça va, je me débrouille pas trop mal. J'ai vu pire sur des vidéos que je regarde. Et ben voilà quoi. Bisous à tous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et du coup, me voici avec la fameuse petite Calliope que j'ai bientôt terminée. Il me reste cette petite partie-là qu'on voit pas très bien à l'œil nu parce que du coup, là je filme de loin. Malheureusement, je suis debout parce que pour bien faire voir la toile, malheureusement, j'ai été obligée de rester debout. Du coup, après cette toile-là, je vais devoir réaliser une autre toile de chez Oraloa pour l'événement d'avril. C'est une toile de chez Elena Dudina qui s'appelle Uncertain Destiny. Donc, c'est la fameuse toile du bateau, donc cette toile-là, qui est principalement faite avec que du bleu, rose et violet pour cette toile-là. Donc ce sera vraiment très sympa à réaliser. Donc ce sera une toile en carré, voilà, ce sera principalement une toile en carré parce que moi je ne fais que du carré et pas de rond. Mais peut-être qu'un jour je ferai une toile en rond, hein, qui sait, hein, peut-être. Hein. Mais voilà, donc du coup cette toile-là, je la ferai en collab avec Nicole Alexon, alias Petit Sanglier, dont je fais un petit coucou, hein, parce que j'ai pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Et notre chère amie Steph, voilà. Donc ça va être super sympa à réaliser. Et je crois que notamment il y a une troisième personne. Alors si je me trompe pas, il y aurait une certaine Audrey, si je me trompe pas. Hein. Voilà. Ça va être très très sympa à réaliser. Et au niveau des passions. Alors, au niveau des passions, donc il y a le DP, ça c'est clair et net, ça c'est sûr. Et par contre, aussi, voilà. Donc du coup, c'est les fameuses maquettes Yogis que Stéphane aussi avait essayé de faire, voilà. Et je me suis mise aussi également à en faire. Donc du coup, j'ai réussi à faire cette petite maquette en bois, bon, qui est toute simple, hein, bien sûr. C'est un commencement. Et là, actuellement, je suis en train de faire un dragon. Voilà, je suis en train de faire un dragon qui est très en retard d'ailleurs, parce que je n'ai pas du tout avancé dessus. Mais prochainement, j'essaierai quand même de faire une petite vidéo, une petite photo de l'avancée. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai voulu quand même terminer la Calliope et après enchaîner sur, du coup, la toile Elena Dudina, voilà, vous m'avez compris.
Donc voilà, donc je suis très contente. Donc de toute façon, je vous tiendrai informé hein, de l'avancée de cette petite maquette. Donc voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est en stand-by parce qu'avec le travail, tout ça, c'est pas forcément évident. En plus, je suis tombée un petit peu malade, voilà, avec j'avais complètement une extinction de voix avec un peu de fièvre, etc. Donc c'était pas possible. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Vous avez vu? Incroyable, incroyable. Vous avez vu l'extérieur avec notre mari qui s'occupe des vignes. Donc un travail ultra compliqué. Par tout temps, vous êtes dehors. Voilà, c'est un travail physique. C'est pareil. Enfin, j'apprécie tous mes abonnés qui viennent me parler en MP. Donc mes maris, on s'appelle aussi de temps en temps en visio. Donc Marie, je te fais d'énormes bisous. Tu as un travail très compliqué, mais tu l'aimes, je suis persuadé quand même au final, parce que c'est un beau métier. Voilà. Donc gros bisous à toi, je pense très fort à toi. Et c'est toujours appréciable de te parler, de te voir en visio. Et j'espère une fois pouvoir te voir en vrai parce que tu es extraordinaire aussi. Nous avons vu Audrey. Donc Audrey, c'est une personne que je connais un petit peu aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Audrey a un gros problème de santé. Donc parfois, ou je crois, alors je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais parfois elle est en chaise roulante. Donc c'est un peu compliqué pour elle, mais vous voyez, elle fait du DP. Et voilà. Donc elle nous a fait une belle vidéo. Merci à toi Audrey. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, alors petite vénarde, tu as vu notre ami Serge Restory. Tu as été en Bretagne et tu l'as vu en vrai. Quelle chance. Pareil, j'espère un jour voir ce monsieur. Voilà. Ensuite, nous avons vu. Alors, je cherche parce que je me souviens. En même temps, j'essaye de vous expliquer un peu les personnes. Notre Tania. Donc, Tania, pareil, je la vois en visio de temps en temps. Et elle est adorable. C'est une belle personne. Elle est modératrice de ma chaîne et j'en suis complètement, mais ravi. Parce que bah, je la connais un petit peu. Et bah, j'espère aussi une fois te voir en vrai, ma Tania. Donc je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi. Voilà. Donc, petit aussi aparté sur tout ce qui est réseaux sociaux. Vous savez, on a bon à être. Ah, il y en a, ils se montrent. Voilà, il y en a, ils se montrent. Et je crois. Tout ça pour vous, je vais vous expliquer hein, ce que je veux venir par là. Vous savez, on a bon à être petit, grand, très corpulent, mince, avec de gros problèmes de santé. Il ne faut, alors je suis personne pour vous dire ça, mais il ne faut juger absolument personne. Ne mettez pas des étiquettes sur les gens parce que. Chacun sa personnalité et jamais juger le physique des gens, jamais juger ses problèmes de santé, jamais. On pose un regard sur une personne, mais il faut toujours poser un deuxième regard et écouter le cœur. Voilà. J'avais envie de vous le dire parce que je sais que des fois, il y en a beaucoup au premier abord. Il y a des gens, oh, t'as vu, oh. Non, c'est pas beau, faut pas le faire. Faut pas le faire parce que il y a et ça peut faire très mal. Je peux vous assurer, ça peut faire très mal aux gens. Donc
Ne portez pas de jugement. Écoutez simplement les voix, lisez les écrits et relisez une deuxième fois pour vous dire, ah, j'écoute le cœur et voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc merci par avance. Allez, maintenant, après avoir vu ces vidéos, notre petit Tisa, comme je vous ai dit, qui s'est mis au colo, notre Astrid avec cette magnifique toile. Alors, Astrid aussi, je l'ai déjà vue en vidéo, c'est une très belle personne. Elle fait un très beau métier aussi. Et voilà, elle était sur la toile Oraloa qu'elle a finie, qui est magnifique simplement. Et bientôt, on va se mettre sur un projet en commun avec Nicolas, notre petit sanglier, projet à trois, sur une magnifique toile encore de chez Oraloa pour l'événement du 1er avril. Donc voilà. Donc merci encore Astrid, c'était pas évident non plus, c'était la première fois qu'elle venait aussi en vidéo. Et vous regardez ce qu'elle nous a fait, c'est extraordinaire. Donc grand merci à toi, énormément. Nous avons vu aussi, que je me souvienne bien des vidéos. C'est pas évident. Vous savez, des fois, préparer un bistrot comme ça, aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup. J'ai fait le vlog, j'ai fait. Là, je vais faire un unboxing après. Et voilà. Et entre-temps, j'ai rien à manger. Mais ça, c'est pas grave. C'est normal. C'est la vie quotidienne. Voilà. Mais c'est pas évident de tout gérer. Donc, j'ai enregistré toutes les vidéos. Mais je suis en train. Nathalie Murray. Nathalie. Je cherchais. Oui. Elle me l'a envoyé. Donc, Nathalie. J'adore. Donc, on communique de temps en temps, parfois, par vocaux. Donc Nathalie vit en Suisse et j'ai une très grande pensée pour Nathalie parce qu'elle était un peu perdue dans ce qui m'est arrivé. Donc j'ai essayé de le faire au plus court sans rentrer dans les détails parce que ce n'était pas mon but. Elle vient de Suisse et Nathalie s'est fait opérer il y a quelques temps. Une grosse opération parce qu'elle a un gros problème de santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais je t'embrasse très fort Nathalie. Merci aussi pour ta vidéo parce que franchement, ben voilà, c'est plaisant, c'est tout ce que tu veux. Donc voilà, toutes ces personnes sont venues vous montrer leur toile, vous parler en vidéo, donc merci à eux. Je vous reprends. Parce que j'ai vérifié si je n'avais oublié personne. C'est très important pour moi. Et non, j'ai oublié personne. Alors par contre, j'ai eu un problème sur une vidéo où la bande son ne passait plus, je ne voyais plus que l'image. Du coup, je verrai avec ma Jackie, c'est la vidéo de Jackie. Donc je te fais un gros bisou, ma Jackie. Je vais t'écrire tout de suite après la vidéo. Excuse-moi, j'arrivais pas à voir la bande son. J'ai essayé de la retélécharger, pas possible. Bref. Problème. Voilà. Du coup, petite mise au point avant de terminer le bistrot et avant de vous montrer une magnifique chose. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, quand vous êtes artisan, c'est. Il faut faire des choses qui sont propres à vous. C'est-à-dire qu'il faut mettre sa petite patte personnelle. Voilà. C'est pas parce que, un exemple, pas parce que qu'il y a trois boulangeries dans le même village que il y en a deux qui sont mauvaises et une qui est meilleure. Forcément, vous allez préférer une des trois ou peut-être deux sur trois. Et la troisième, vous n'y allez pas parce que vous vous aimez pas trop. Mais il y a une autre personne qui va aller dans cette boulangerie. Voilà. Je crois que chaque personne, chaque artisan a sa place. C'est comme tout le monde. C'est comme les chaînes YouTube, c'est comme les YouTubeurs. Tout le monde a sa place partout.
Il ne faut, voilà, vous voyez, vous comprenez pourquoi. Il ne faut pas mettre d'étiquette aux gens. Chaque artisan, chaque créateur a sa place, mais doit mettre sa patte dans ses créations. Quand ils font leur création, c'est comme les édifices. Un édifice n'est pas identique à l'autre. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Je vais prendre. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Un truc à la con, un stylo violet, un stylo noir. Donc, ils ne sont pas identiques. Donc, forcément, chaque créateur met sa patte personnelle. Donc, là, c'est pareil. Et vous allez comprendre pourquoi on vient à Monsieur Serge Restori. Donc Serge Restori, on en a un peu discuté et je voulais ressoulever le sujet avec lui. Donc vous savez, Serge Restori fait des créations, mais splendides. Stylet, donc d'épée, stylo pour écrire, pince pour diamanter. Et d'autres sujets, il fait des tire-bouchons, il fait de magnifiques horloges, et bientôt là il fait sa formation de coutelier. C'est quelqu'un de simplement dingue. Donc et sans arrêt en train de pas de changer, mais de faire des choses. Vous voyez quand il monte ses blancs là, mais on a la langue dehors, on bave, mais moi, je me tiendrai, j'en prendrai un toutes les semaines. Mais c'est pas possible parce que voilà. Mais Serge a sa propre griffe et c'est tant mieux. C'est un maître artisan. Donc c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de connaissances. Et bravo à toi, Serge, pour ce que tu fais. Et je te souhaite beaucoup de courage parce que je sais. Voilà, vous savez, vous voyez peut-être Serge, vous n'avez peut-être pas l'habitude de l'entendre. Moi, on s'appelle de temps en temps quand ça va pour lui, parce que je sais qu'il est très occupé. En vous parlant d'occupé, des fois, bah, la plus, pas des fois, tout le temps, il commence des fois à 7 h et pour terminer à 7 h le soir, même samedi, dimanche compris. Donc sa vie privée, il la met de côté parfois pour nous sortir des choses incroyables. Donc, un simple respect de ce monsieur qui mérite énormément, ça, je pense que ça sera bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore ces stylets incroyables, hein, regardez-moi ces beautés, mais c'est splendide, ces incrustations et tout, franchement, c'est top. Les pinces, les stylos. Ah, moi j'écris plus qu'avec celui-là. Voilà. Top. Top, top, top. C'est fait main et c'est du boulot. Hein. On croirait pas comme ça, mais c'est du boulot. Donc j'espère une fois le voir en vrai comme Audrey. Audrey qui a été le voir en vrai et franchement c'est simplement splendide. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous laisse avec Serge. On conclura avec les vidéos de Serge. À la fin, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va vous montrer des choses incroyables. En attendant, merci d'être là, d'avoir vu ce bistrot. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Vous savez que si j'ai pas de vidéo de vous, je ne peux pas faire de bistrot malheureusement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer d'ores et déjà demain et ainsi de suite. Et quand j'ai quelques vidéos, eh ben, je fais un bistrot et puis on papote et puis on vous fait partager tout ça ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt.
Bonjour, c'est Serge Story, style artisanal du Morbihan. Bah écoutez, je vous fais un petit coucou par cette vidéo. Hein. Voilà, vous voyez, hein, j'ai préparé une dizaine de moules. Hein, je recommence à faire quelques résines. Je pense faire une vente vendredi soir si tout va bien. Donc voilà, hein, vous voyez, pas mal d'inserts différents. Hein. Donc je pense avoir quelque chose qui va être assez correct, on peut dire, entre guillemets. Comme d'habitude, je pense. Hein, du moins, c'est ce que vous pensez aussi, j'espère. un petit point aussi en même temps, parce que je vois ce qu'il y a eu beaucoup de petits soucis en ce moment. Moi, je connais beaucoup de tourneurs hein, qui font des stylos, des stylés, peu importe. Hein. Et je pense qu'à mon avis, bah, c'est un peu comme si vous avez deux boulangers dans votre ville ou le village. Il ne faut pas dire qu'il y en a un qui est mauvais, donc c'est pas possible. À partir du moment où il y a sa personnalité et puis bah, qui fait ses propres créations, dans le principe, il n'y a pas de copiage ou quoi que ce soit. Il faut, je pense, rester tous dans la bienveillance hein, et puis rester intègre hein, sur chaque conflit qu'il peut y avoir. Allez, bisous. Bon, voilà les amis, on va commencer à couler. Hein, donc j'ai mis la base, hein, tout simplement. J'ai pas très longtemps, j'ai qu'une minute, donc je vous fais voir ça au mieux hein, que je peux. Sinon, bah, je ferai une troisième vidéo, si Stéphane me le permet. Donc bien sûr, il faut prendre en compte l'hydrométrie de la pièce, la température de la résine. On ne fait pas ça comme ça non plus. Hein. Hop. Voilà la suite. Alors je mets le blanc quasiment en dernier parce que c'est la couleur la plus lourde. Voilà. Une petite touche de finition avec un petit colorant or. Elle va être magnifique, je pense. Regardez-moi ça. Allez, je vous laisse. Bisous à tous.